programmée en session de jour, Roger Federer n'aura pas eu à trop s'employer pour rallier les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Opposé au prometteur Taylor Fritz, tombeur de Gaël Monfils au deuxième tour, le Suisse a passé 1h28 sur le court pour l'emporter en 3-7, 6-2, 7-5, 6-2, sans concéder la moindre balle de break malgré pourtant seulement 61% de première balle. La tâche pourrait être plus ardue en huitième de finale puisque l'ancien numéro 1 mondial y retrouvera le jeune grec Stefanos Tsitsipas, 15e joueur mondial et vainqueur du géorgien Nikolaos Basilashvili, 6-3, 3-6, 7-6, 7, 6-4.